la famille, c'est Golden Dristy. J'espère que vous allez tous et tous très très bien. Ça va? Ça va? Ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup. Donc bah là je pense que vous invitez, vous voyez des bagages derrière. C'est un vlog. Là je suis en train de vlogger mais je suis grave énervé. Il y a mon cousin là, on doit aller à l'aéroport, donc on va aller à l'aéroport. Et c'est complètement. C'est-à-dire que genre en gros on a perdu genre 15 minutes. On n'est pas en avance, on est déjà en retard en fait, tu vois. En fait ils m'ont tous énervé, lui il m'a énervé. En gros genre en mode personne n'est à l'heure, il y a que moi qui suis à l'heure, ça m'énerve en fait. Ça veut dire que là, on doit rattraper le retard perdu. Je dis pas encore la destination. Comment ça la droite? Non, même pas. Je dis pas encore la destination, je dirais une fois qu'on arrive parce que moi on peut les tous faire ça. Du coup là, je suis pressé d'y aller, je suis content. Je sais pas comment ça se passait. C'est une ville où tout le monde est allé un peu cette année, je trouve. Non, pas tout le monde, mais quand même beaucoup de temps. En tout cas, je vous dirai comment ça se passe. C'est genre pour une fois qu'on a l'aéroport. Eh les gars, vous savez pas comment là on a galéré? Non, en fait je me suis dit, je pensais qu'on allait plus partir. Parce qu'en gros, je vous explique. Cet individu-là, il veut jamais m'écouter. Donc je vous ai dit, dans la voiture, on était déjà en retard. Notre vol, il était censé être à 15h20. Maintenant, le délire, c'est quoi? C'est que genre, en gros, on arrive. Et c'est pas... comment on appelle ça? C'est pas... on peut plus embarquer nos valises parce qu'on arrivait trop tard parce que l'embarquement, il a commencé. La dame, elle voulait pas nous laisser embarquer nos valises. Du coup, on s'est dit, ouais. Non, moi j'ai paniqué, moi j'ai la vérité, je me suis énervé. Je me suis énervé et tout. J'ai commencé à dire ouais. Elle doit péter un cap sur lui parce qu'en fait, c'était trop, je crois que c'était une accumulation là. Du coup, c'est déjà, je commençais vraiment à m'énerver. Maintenant, c'est pas. Du coup, genre en gros, on arrive à mettre nos bagages finalement et tout. Tout ça maintenant, il y avait des queues extrêmes. Du coup, je me suis dit. Le monsieur là, en tout cas, c'était nous il y a 2 minutes. Hein. Du coup, je me suis dit, vas-y, bizarre, je sais pas si on va voyager et tout. Et là, finalement, on a enfin réussi à tout mettre. Du coup, là, on a... Ouais, parce qu'en fait, moi, je voulais plus parler. J'étais trop énervé. Du coup, il y a mon cousin, il disait, vas-y, il parlait aux hôtesses. Et les hôtesses, elles nous laissaient passer en priorité. Je jure que si elle avait pas fait ça, mais on serait encore dans les queues, là. On serait pas parti. Donc, là, c'est bon, là. Tu sais qu'il y a des toilettes dans l'avion, là. Les gars, on est à Punta Cana. On arrive à Punta Cana, on est dans l'aéroport. C'est archi grand, archi beau. Il fait chaud, hein? Mais c'est archi bien. C'est archi beau, wesh. Quand on vient d'arriver à l'hôtel, enfin, juste l'entrée en fait, juste le coup. Hey, regardez la vue, mais est-ce que vous me connaissez là? Attendez, la vue elle est juste magnifique, hein. Elle est juste magnifique. J'ai hâte de vous montrer la chambre, mais juste la vue déjà, elle est magnifique. T'es content? T'es content? Bon les gars, ça peut pas être aussi beau, je vous jure. En vrai, je pensais pas ça allait être beau comme ça, sans mentir. Regardez la vue. Regardez juste la vue en fait. Où nous porte nos bagages, sont si gentils. C'est si beau. You want some help? Thanks. Mais wesh! En fait, je rêve. Genre, quand on vous dit l'île. Yeah, I see that. Hey! Welcome in Punta Cana, guys! Let me introduce you. Bathroom! Donc là, c'est la salle de bain avec la douche. C'est si beau! C'est si beau! Je suis vraiment sous le choc, vraiment. Vraiment sous le choc.
Venez, je vais vous montrer. Derrière, the toilet. Je vais vous montrer du coup ensuite l'entrée. Donc là, je fais comme ça, peut-être que chez moi en fait, clairement, je vous dis. Là, hé, hey, l'armoire. Vous savez, chez moi, j'aime pas une armoire aussi grande. Vous voulez leur parapluie là, à Paris, il pleut. Hein. Je vais voler leur parapluie qui est là parce qu'il pleut un peu à Paname. C'est balèze. Donc là on arrive dans la chambre. Du coup on a deux lits. Ça c'est un poids. Elle est trop choquée. Elle a vu trop choquée. Elle je suis trop choquée. Regardez la vue. Attendez, regardez la vue s'il vous plaît. On a un val. Fatigué monsieur. Bon appétit. Il est KO, regardez sa face. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Du coup là c'est le deuxième jour. Enfin le premier du coup. Salut. Je vais vous emmener au restaurant. On va manger, du coup je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et vous pourrez voir la vue de dehors en même temps. Lobby. Voilà. Ouais. Donc ça c'est le petit. Déj. Mais attends, c'est beau. C'est ouais. La grappe des bails. T'es heureux? Ça c'est. Ah, il y a des trucs derrière. Il y a des trucs derrière. C'est si beau. Mais c'est la même chose, frère. C'est génial. Il y a des bagels et tout, c'est trop bien. Franchement, c'est archi bon, hein. Désolé, mais bye quoi. Les gars, parti servir à manger. Mamé. On va manger. Là, en fait, le problème qui se pose, c'est qu'on sait pas où manger, en fait. Parce que la dame de ménage, elle est partie faire à manger. Et la dame de ménage qui est partie nous faire ranger la maison, tu vois. Et je sais plus ce que je disais, c'est tellement beau, je suis perturbé, excusez-moi. Mais ouais, du coup, on sait pas où est-ce qu'on peut manger, on va trouver. Bon, je vous dirai. Les gars, pourquoi c'est zoomé comme ça, là? Je vous assure que le burger que je mange là, je crois que c'est un des meilleurs burgers que j'ai mangé de ma vie, fait maison. Genre, il est si bon, si bon. On a trouvé où manger, hein, franchement. Restaurant. Hein. T'es heureux? Est-ce qu'on est content comme ça? Mais par contre, j'ai pas compris l'histoire des oignons en fait. Frère, m'explique, j'ai pas compris l'histoire des oignons. Mon cousin, il fait des trucs trop bizarres, je comprends pas pourquoi il met les oignons en fait. Bref. Bon appétit les gars. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait combien de jours qu'on est à 2 jours, j'abuse. Vous avez vu, j'ai déjà noirci. J'ai déjà noirci. Vous avez vu comment ma barbe elle pousse? C'est les produits Kenema. C'est les produits Kenema. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup aujourd'hui, là normalement, on fait les activités à partir de demain normalement. Donc aujourd'hui, on va encore découvrir un peu l'hôtel parce qu'il est hyper balèze. Hier, c'est pas... On a dit, vas-y, on a mangé l'après-midi. On a mangé l'après-midi, genre vers 14h, tout ça.
Eh, on a si bien mangé, vous avez vu, de toute façon. On a si bien mangé. On s'est dit, vas-y, on va se poser dans la chambre un petit peu, tout ça. Tout ça, tout ça. Et on sort pour le soir, tu vois. Du coup, on fait une petite sieste. Les gars, on a dormi vers genre 17h. On s'est réveillé. Attends, en fait, on a dormi, il faisait jour, genre. On s'est réveillé, c'était la nuit. Genre, il était 23h. Genre, 20... Moi, je me suis réveillé à 22h. Et Alex, il s'est réveillé à 1h du matin. 1h du matin, les gars. On n'avait pas mangé le soir. On s'est endormi. Du coup, bah, la soirée est tombée à l'eau. Donc, voilà. Donc là, maintenant, aujourd'hui, on va faire quelques photos parce que influenceur oblige. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, c'est activité plongée sous-marine. Donc aujourd'hui, on va faire de la plongée sous-marine. Déjà, ouais, je sais pas si vous voyez, j'ai noirci. Hein. J'ai noirci. Genre, ouais, j'ai noirci un peu quand même. Bref, du coup, aujourd'hui, c'est activité plongée sous-marine, tout ça. Donc, c'est la première fois que j'en fais. Je vous avoue, je suis un peu stressé parce que, hé, les poissons, là, voilà quoi. Du coup, je pense pas que je vais pouvoir tout filmer. Voilà, je pense pas. Mais je vais essayer de filmer au maximum pour vous donner le meilleur des rendus. Ici, il fait super beau, super chaud. On a booké plusieurs activités. Bah, je vous dirai les jours J. Et je vlog pas trop parce que, bah, là, ça fait deux jours on est là et ça fait deux jours on fait... Enfin, on fait pas grand chose, tu vois, parce que bah, Punta Cana, c'est une ville assez dangereuse, tout ça, donc on va pas commencer à se balader dans les rues alors qu'on connaît pas, etc. Donc on reste un peu à l'hôtel. Il est grand, je vous l'ai montré. Du coup, il y a la piscine, etc. Et tout. Mais voilà, je vous ai montré l'hôtel. Attends. Bon, là normalement, on est censé aller faire du coup la plongée sous-marine. Donc je vais vous faire visiter un peu la ville en même temps. Parce que du coup, on n'a pas eu l'occasion de sortir, parce qu'on n'a pas de voiture, on n'a rien. Donc là, autant ça va être une visite pour nous et pour vous. Du coup, je vous montre ça. Bon, il y a un truc bizarre. Hein. Oui, il faut faire une activité. On est les seuls dans le car. Du coup, bah, si vous n'avez plus de nouvelles de moi, vous saurez pourquoi. Juste à Punta Cana, venez me chercher. Je suis pas serein. Oh, elle est belle, hein. Oh, elle est bleue, je crois, elle est. Par contre, si je fais tomber mon téléphone, beau cri. C'est fou, quoi. Moi, je vous montre quand on est en train de. Bah, de plonger. Un peu le mal de mer, je crois. Un petit peu.
Normalement, bon, je sais pas si vous m'entendez, mais normalement il y a des dauphins. Bon, je crois pas qu'on va aller voir, hein, mais bon, normalement il y en a. Dommage. Bon, les gars, là on est au restaurant. Au restaurant chinois, au restaurant asiatique, pardon, au restaurant asiatique. C'est archi bien le concept, genre en mode, on dirait un nouveau, un peu. Genre en mode, ils cuisinent devant nous et tout, c'est archi lourd. Attendez, je vous montre. Mais qui cuisine la viande, non? Si on retient les gens, les gars, c'est pourquoi. Ça a l'air tellement bon, les gars, mais bon appétit. Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui, je recommence. Aujourd'hui, c'est journée quad. On va faire du quad, on va visiter certains trucs pour la... On va aller voir une grotte, je sais plus, la grotte de Saona, si je me souviens bien. Ou un truc comme ça, je sais plus, effectivement. Enfin, exactement. Mais, ah oui, il faut prendre un masque. Mais oui, du coup, journée très intéressante aujourd'hui. Je vais essayer de filmer au maximum encore une fois ce que je peux faire, ce que je peux vous montrer. Et voilà quoi. Donc, on est vendredi, c'est bientôt fini. Donc, on profite un max, on essaie de faire le plus d'activités possible. Mais voilà quoi. En tout cas, si je ne bloque pas beaucoup, j'ai profité un max de ce que je fais. Et voilà. Sinon, en dehors de ça, tout se passe bien. Il fait chaud, il fait beau, il fait bon. C'est bien noirci encore. Donc, carré. Nous, je vous tiens au courant quand on est sur le test. Le quad. Donc je vous montre en bas là avant qu'on commence. Non, enfin, non, nous on va faire du quoi je pense. Mais il y a du buggy et tout. C'est un long parcours, c'est archi beau, c'est archi lourd. Donc voilà quoi. T'es stressé? Non, franchement j'ai hâte. Du coup finalement c'est reparti pour du quad les gars. Du quad, du quad, du quad. Bam. Alex est là. Voilà, ça va être lourd. Voilà quoi. Alex. Là on va rentrer, on va se toucher parce que regardez comment c'est fait.
ça, bah, on va dormir. Donc voilà, c'était au courant. Bon les gars, c'est fini. Je prends vraiment, c'est un super bon voyage. En tout cas, j'espère que bah, ce vlog est terminé. En tout cas, j'espère que si vous avez... J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez profité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je fais peut-être deux vlogs parce que je repars encore en vacances. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez un commentaire si vous avez kiffé. Si vous avez des renseignements, n'hésitez pas. Et je vous mettrai tous les trucs en barre d'infos. Salut!